Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition largement consacrée à la campagne présidentielle à J-6 de l'élection présidentielle prévue ce vendredi. Le candidat indépendant Zakaria Ismaël Farah avait rendez-vous ce matin à Demerjoug pour rencontrer ses militantes et militants. Là encore, il y a lieu de signaliser que son meeting n'a pas eu lieu. Comme l'a constaté notre équipe de la RTD chargée de la couverture médiatique de ces meetings. Retour donc sur les seules rencontres organisées par le candidat indépendant au tout début de la campagne électorale. Qui a accueilli le 26 mars 2021 le premier meeting du candidat indépendant Zakaria Ismaël Farah, qui a pris l'initiative de se porter candidat à la présidentielle. Le seul candidat qui se présente à titre indépendant à l'élection présidentielle du 9 avril prochain. C'est avec cette élection que le public en général et celle d'Arta en particulier l'a découvert. Ce qui n'a pas empêché une foule bouillante et effervescente de lui manifester l'engouement pour cette première journée organisée auprès d'elle, qu'elle a jugée symbolique, voire historique. Le candidat indépendant, M. Zakaria Ismaël Farah, a pris la parole au podium pour présenter son programme et surtout mis l'accent sur une mission qui l'anime, une action qu'il souhaite entreprendre pour un élan social plus prometteur. Il a évoqué plusieurs points, comme les raisons l'ayant poussé à se présenter, son programme de campagne ainsi que la situation politique du pays. Une intervention marquée par des applaudissements et des appels scandant notamment Zakaria, président. Zakaria, qui a érigé la valorisation du citoyen au cœur de son programme de campagne. Selon ses propres dires, la majorité des citoyens sont délaissés et vivent du jour au jour. C'est donc sur ce point essentiel qu'il mène sa campagne. Des messages qui reviennent aussi lors de la rencontre d'Ambouli, quartier où il est natif, et il a fait ses premiers pas en tant qu'écolier. C'est dans cet environnement qu'on peut qualifier de naturel qu'il est allé demander soutien. Certains présents sur le site, surtout les plus âgés, reconnaissent cet enfant du quartier où ils ont assuré de leurs appuis tout au long du processus électoral. Des chants, des danses traditionnelles interprétées et la foule bercée au rythme des chants que le candidat indépendant n'a pas manqué de partager. Une exception pour Zakaria qui a eu la chance de grandir avec toute la communauté qui compose cette zone. Le candidat Zakaria s'est déclaré fier et honoré pour une telle mobilisation en guise de soutien. Verdict le 9 avril prochain. Je vous le disais il y a un instant, le meeting du candidat indépendant qui devrait se tenir ce dimanche matin à Demerjoug, la localité située à la région d'Arta, n'a pas eu lieu. Comme nous le faisons depuis quelques jours maintenant, retrouvons les images consacrées au moment fort de ces deux premiers meetings. Harbi duruf duksiyada
Rwanda, Wolohéli. Et à tes coudortan, coudortan, ma hakoudiaro dalka, 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 ruhaïsa. Et à tes coudortan, coudortan, ma hakoudiaro dalka. Dadka, dadka, aharu haisa. Yayin ban kudarte, kudarte anigo udaada, wani din dadal gali. Dan yarada dhiyo, dikadaha fadiya iyo, umarkiyo arurti. Duqitida damanted dollar baan u qoraya Taalintana si dooran Taalintana si dooran u daryeeli doona Dayin baan ku dhaarte anigoo u daacada waan idin dadaal gali yarada dhiyo dikadaha fadhiya iyo umarkiyo arurti duqitida damanted dollar baan u qoraya taalintana si dooran taalintana si dooran u daryeeli doona Ibi da binak net
Et 10 jours après le début de la campagne électorale, les meetings de proximité en faveur du candidat de l'UMP se poursuivent un peu partout dans le pays. La direction de campagne de la Ville Blanche s'est rendue successivement à Mabla, une localité située à l'est de la ville de Tadjoura, puis à Daï. La population de ces deux localités s'est donc fortement mobilisée pour accueillir le directeur régional de la campagne du candidat de l'UMP, Mohamed Berhad Seladj, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. Regardez. Restons toujours au nord du pays où le coordinateur pour la région de Bok, pour le candidat de l'UMP, Rassem Haroun, accompagné par son équipe, s'est rendu à Mulhulé à Kolangar. Des doléances et des sollicitations ont été émises par la population de ces deux localités qui ont été bien notées par le coordinateur principal. Regardez. Et par la suite, la délégation composée du coordinateur de la région de Bok pour le candidat de l'UMP s'est entretenue avec les femmes de Bok. La rencontre a eu lieu au nouveau siège de l'UNFD de la région. Bye.
Et nous prenons la direction du sud à présent, à Arta notamment, où la population de Demer Diouf s'est mobilisée pour le candidat de l'UMP, président sortant Ismaël Omar Guelleh. Un meeting a été organisé par le coordinateur régional du candidat de l'UMP pour la région d'Arta, Abdoulaye Ousmane Delage. إسماعيل دق ملاذي ويان ودير ساعتي ودمير جوك وديقان كل أبوه ومقع درايين Nous restons toujours au sud du pays et autre meeting de proximité, la coordination de campagne de l'UMP d'Ali Sabiye, conduite par son chef de file, Omar Ahmed Ouaïs, s'est rendue dans la sous-préfecture de Assamo pour un meeting. La délégation de l'Union pour la majorité présidentielle d'Ali Sabiye a été accueillie chaleureusement, a été accueillie chaleureusement à Ali Sabiye, donc dans la préfecture de Assamo par les militants et militantes dans une ambiance effervescente. ملحوينها قريب ومضوا هقايو او الكرايات هاي او الكرايات هاي افرتو بيريدو ملحوينها قريب ومضوا هقايو او الكرايات هاي او الكرايات هاي يملوين كاقي عديات كتاقي يا قوب نوها لي يا دناقوها لي نابو او دناقوها لي نابو يا دناقوها لي نابو او دناقوها لي نابو يملوين كاقي عديات كتاقي يا قوب نوها لي Adikil, cette fois, la coordination de campagne de l'UMP et de la ville de l'unité conduite par son chef de file Ali Omar Ouaïs et son adjoint Ali Hamadou s'est rendu dans la matinée d'hier dans la sous-préfecture de Adikil, notamment à Yuboki, pour un meeting. I am my own person, my name.
Toujours dans la région de Liki, la coordination de campagne de l'UMP conduite par son chef de file Ali Omar Waïs mène des activités dans toutes les sous-préfectures de la région de l'unité. Après Assirela et Yoboki, c'est la localité de Mouloud qui a réservé un accueil chaleureux à la délégation de la coordination de campagne de l'UMP de Liki. وبني مدى عورت كده مني مدى انسى الغوري وبالكي قرداسي تاريخ دقل ايابو تاريخ دقل ايابو وبالكي حرية ديو وبني مدى عورت كده مني مدى انسى الغوري وبالكي قرداسي تاريخ دقل ايابو تاريخ دقل ايابو دخل باق بيهانتو قرادة ديلا خايديو قبلي رقي ديبا قبلنا بدا كودي جاي قعما ودا جيري قلو kusoo dhaweeye gacma wada jiray gelow gelow kusoo dhaweeye. Et c'est ainsi que se referme cette édition spéciale campagne présidentielle. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à la régie. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.